très sympa. Il y a Élise de Sony qui va nous rejoindre, et puis Anne-Marie Roy. Voilà, parce que Aymeric, il voulait profiter de cette occasion pour parler un petit peu de ce qui se passe, enfin de parler en même temps de ce qui se passe en France autour du mouvement pour les animaux et puis la promotion du végétarisme au sens large, végétarisme, végétalisme, véganisme. Et du coup, ben, on peut en profiter parce qu'on a, des personnes justement qui vivent au Canada et puis dans la salle aussi, il y en a plein, on en a croisé plein aujourd'hui. Voilà, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, et bah, c'est peut-être une occasion de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc Anne-Marie, je pense qu'elle vient juste de finir de l'autre côté, donc le temps qu'elle arrive. Mais nous, on peut commencer tout de suite. Ouais, commençons. Quelque chose, commençons. Surtout qu'apparemment, on est viré à 19h. Voilà, donc allons-y. Donc on a 35 minutes. Voilà. Donc on voit que le mouvement, quand même, il prend de l'ampleur en France. Grâce à l'activisme d'une part, mais surtout justement parce qu'il y a des personnalités qui commencent à s'engager pour les animaux. Et je dois dire que pour beaucoup d'entre nous, je crois, je peux parler au nom de tout le monde ici, ça a été vraiment un véritable souffle d'avoir le livre d'Aymeric Caron. Aymeric Caron qui dit « Moi, je refuse de manger les animaux ». Et ça, on s'est tous reconnus là-dedans. Voilà. Pourquoi tu as choisi de sortir ce bouquin? Pourquoi tu l'as pas fait avant? En fait, ce livre, j'ai choisi de l'écrire parce que je suis végétarien depuis très longtemps. Alors c'est marrant, parce que évidemment, je vais avoir des questions peut-être, si on a le temps d'en avoir, mais sur le végétarisme et le végétalisme, pourquoi moi je suis pas végétalien alors que beaucoup d'entre vous sont végétaliens ou véganes. Bon, ça c'est encore un autre débat, peu importe. En tout cas, ça fait 20 ans que je suis végétarien, et puis je m'étais rendu compte que il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient dites sur le végétarisme, sur la consommation de viande, etc. Et au départ, en fait, c'est une démarche purement journalistique. Puisque je suis journaliste, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet comme j'aurais pu m'intéresser, par exemple, à la politique étrangère, ce que j'ai suivi pendant des années. J'avais écrit un bouquin sur la guerre d'Irak il y a 10 ans. Et c'est juste que je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet, parce qu'un jour, au-delà de mes convictions personnelles qui étaient de dire c'est pas bien de manger de la viande, donc le point de vue moral, le point de vue éthique, qui est un point de vue essentiel pour moi, mais qui n'est pas suffisant pour beaucoup de gens avec qui vous allez entamer la discussion aujourd'hui, je me suis rendu compte que il y avait non seulement le besoin pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'humanité, de baisser sa consommation de viande, mais j'en étais même arrivé à la conclusion, en lisant un certain nombre de rapports, etc., que c'était vraiment l'avenir inéluctable de l'humanité, qu'un jour, on arrête tous, la plupart d'entre vous ne mangez pas de viande, mais que tout le monde sur Terre arrête de manger de la viande. Et je me suis dit, il y a un truc très intéressant à écrire d'un point de vue purement journalistique, donc pas d'un point de vue de militant, mais d'un point de vue d'une enquête normale, classique, pour expliquer toutes les raisons qui font qu'un jour, les êtres humains ne mangeront plus de viande sur Terre. Donc c'est parti tout simplement d'un constat journalistique. C'est au moins il y a 5 ans que j'ai eu envie de faire ça. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à en parler à des sociétés de production, etc., on me regardait un peu bizarrement, beaucoup de gens ne croyaient pas du tout à ce que j'essayais de défendre dans le livre que je souhaitais écrire, jusqu'à ce qu'il y ait une maison d'édition qui me dise il y a 3 ans, ok, l'idée nous intéresse, c'est vrai que c'est original, et les arguments que j'avançais en plus avaient convaincu des personnes à qui j'avais parlé, et c'est comme ça que ce livre est né en fait. Et du coup, question, je rebondis sur la situation au Canada, est-ce que vous avez... Enfin, on a l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup d'artistes engagés. On a vu Joaquin Phoenix, alors lui qui est plutôt des États-Unis, mais c'est ce hockeyeur Georges Larac qui s'est engagé. Et du coup, est-ce que vous avez aussi... J'ai juste une petite précision pour... Non mais... En fait, pourquoi... Voilà, ce sont des gens que j'ai rencontrés, Brigitte, je l'ai rencontré en faisant le livre, voilà, on a sympathisé, etc. Donc je suis très content qu'elle soit là ce soir aussi pour poser des questions. Élise, même chose, Élise, j'ai demandé si elle pouvait venir, parce que je l'ai rencontrée lorsque je faisais l'enquête sur le livre. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez remarqué qu'il y a toute une partie qui se passe au Québec, et je trouvais qu'il y avait un contraste, quelque chose de très intéressant à faire en comparant les deux situations, les situations des deux pays. Élise va nous dire pourquoi dans un instant. Donc il y a Élise qui est ici, il y a Marie Roy qui est diététicienne. Élise qui, je vous la présente en deux mots,
a tout un passé professionnel qui n'a absolument rien à voir avec les animaux, et puis qui a laissé tomber son boulot il y a quelques années pour écrire un premier bouquin sur, grosso modo, l'éthique animale. Enfin, pas sur l'éthique, pas que sur l'éthique, mais sur pourquoi il faut-il arrêter de manger des animaux. C'est la version québécoise du bouquin Safran Foer, ou aussi peut-être un peu du mien. Enfin voilà, on est tous un peu dans le même mouvement de pensée, et qui vient d'écrire un bouquin donc sur le lait. Voilà. Pourquoi il ne faut pas boire de lait selon Elise? Oui, alors pour les différences entre la France et le Québec, c'est étonnant parce qu'on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs. Émeric, dans son livre, semble nous faire croire que le Québec est un éden pour les végétariens. Alors là, si elle va me contredire, on va arrêter tout de suite, on va passer à autre chose. Alors, donc, une question. Et moi, quand je suis en France et que je fais mes courses dans des supermarchés français, parce qu'en fait, j'ai marié un Français, donc je suis à moitié française, et je fais, c'est extraordinaire tous ces produits allemands que vous avez sur vos tablettes et qui sont bons, en fait, parce que nous, on a des produits américains qui sont un peu dégueux, vous avez des produits qui sont bons. La grosse différence, je crois, c'est que le mouvement, il est peut-être un peu plus politique chez nous et un peu plus militant ici. J'ai jamais vu nulle part en Amérique du Nord des rassemblements aussi importants que ce qu'on a aujourd'hui à Paris. Et j'ai l'impression que tout le monde ici est militant, fait des manifs, fait des rencontres dans son milieu, alors que chez nous, c'est beaucoup moins fréquent, surtout dans le milieu francophone. Parallèlement, d'un point de vue politique, j'ai l'impression que chez nous, il se fait un peu plus de choses, qu'il y a davantage d'avancées. Par exemple, dans le guide alimentaire canadien, ils sont beaucoup plus ouverts au végétarisme que les normes françaises. Donc, il y a vraiment des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ce qui est fascinant, c'est qu'en échangeant comme ça, moi, je pique des idées à Émeric et je les emmène au Québec. Et Émeric savait déjà tout ce que je raconte, donc il ne me pique pas d'idées. Mais n'empêche que c'est en faisant des échanges comme ça, Mélanie Joy, que vous avez vu cet après-midi, moi je l'avais vu à New York l'hiver dernier, je l'ai invité à Montréal, je me suis beaucoup basée sur ses propres recherches pour écrire mon livre sur le lait, donc c'est en faisant des échanges comme ça entre les différents continents qu'on va chercher le meilleur chez chacun de nos voisins. Ben, je rebondis là-dessus parce que justement il y a l'association CARA qui est venue me voir, qui est une association de Montréal et qui va relayer la marche pour la fermeture des abattoirs à Montréal. Voilà, c'est un scoop, ça va se faire et on va travailler ensemble pour construire ça. Mais justement, enfin, ça m'étonne beaucoup que tu dises que le mouvement il est plus politique au Canada, justement, parce que j'avais l'impression que c'était l'inverse. Il y avait eu une étude qui avait été faite par une universitaire, Elizabeth Cherry, qui avait montré que justement, nous, on avait un mouvement très politique en France et très pragmatique plutôt dans les, aux États-Unis et puis au Canada. Et c'est vrai que depuis quelques années, en fait, il y a de plus en plus d'événements en France, de plus en plus de personnes qui descendent dans les rues pour aller revendiquer des droits pour les animaux, finalement. Et c'est peut-être un changement qui est assez récent, finalement. Aujourd'hui, pour fixer une manifestation, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il y a tellement de dates qui sont déjà retenues que ça devient compliqué. Donc, est-ce que c'est un changement récent ? Oui, en fait, quand j'ai publié « Je mange avec ma tête » il y a 2 ans au Québec, parce qu'en fait, il faut vraiment distinguer le Canada anglais du Québec, je crois, où le Canada anglais est beaucoup plus près des États-Unis, beaucoup plus avancé, le Québec plus près de la France, donc avec un certain retard. C'était le premier essai qui était publié en langue française chez nous sur la question. Après, je pense que c'est vraiment les anglophones qui nous ont traînés de l'avant. On le voit même dans les restaurants végétarien, c'est souvent dirigé par des anglophones. Après, quand je disais politique, je parlais dans des structures politiques. Mais après, dans les rues, les manifs, on est assez bon pour faire des manifs étudiantes, mais pour faire des manifs pour les droits des animaux, c'est encore à l'état embryonnaire. Donc là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Émeric, tu fais des manifestations? Elle est bizarre, ta question. Non, il y a en tout cas une approche différente. Il y a en France une manière encore un petit peu maladroite de parler des droits des animaux. Je pense que c'est vraiment ça la prochaine étape. C'est-à-dire que
Tu disais au début que vous aviez du mal à vous faire entendre jusqu'à présent. En fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a dans la société, on voit dans les universités américaines qu'il y a dans beaucoup d'entre elles des cours sur les droits des animaux, par exemple. Chez nous, ça n'existe pas. L'éthique animale chez nous est complètement absente du débat. On est, et c'est pour ça que la comparaison avec le Québec est intéressante, parce que au niveau idéologique, vous êtes vachement en avance sur nous, de quelques années. Et nous, ça commence à peine à arriver. L'éthique animale, ça va arriver d'ici 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, en revanche, on sent vraiment, et c'est ce qui fait que peut-être Nostec, le livre, a reçu un bon accueil, qui moi-même m'a surpris. Honnêtement, quand j'ai sorti Nostec, je pensais que le livre serait lu par quelques passionnés du sujet, et en réalité, je me suis rendu compte que non. Il y avait beaucoup plus de gens qui se sentaient concernés par cette question aujourd'hui que je ne l'avais soupçonné. Donc, tout ça est en train de progresser aujourd'hui. Je crois que l'une des choses essentielles, c'est en tout cas de bien, dans le discours, en tout cas, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de créer des passerelles. C'est-à-dire de... J'ai constaté, et là, c'est peut-être intéressant de vous passer le micro, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des questions à poser, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai constaté en écrivant ce livre que, par exemple, il y a des véganes qui considèrent que soit on est vegan, soit on ne l'est pas, puis qu'il n'y a rien d'autre. Et si on est végétarien, c'est pas bien, on n'a rien compris. Il y a des végétariens qui ne vont pas vouloir parler non plus, discuter avec des omnivores en disant que ce soit vraiment d'horribles personnages s'ils continuent à manger de la viande aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, et ce qui me semble intéressant dans la communication et dans la manière de faire avancer les choses, c'est de créer des passerelles entre tout le monde. Et simplement que le débat soit là. Parce que je crois que les choses ne sont pas noires ou blanches, et qu'il y a des gens qui sont végétariens, pas véganes, et il y a des raisons à ça, il y a des gens qui aujourd'hui continuent à manger de la viande, mais qui néanmoins sont dans une démarche tout à fait intéressante. Et c'est ça, il faut qu'on réussisse, on ne pourra de toute façon faire avancer les choses que si on a des débats où chacun se sent concerné. Parce qu'il y a des omnivores aussi qui, à mon avis, se sont sentis exclus depuis 10 ou 15 ans des débats, qui n'ont pas eu envie de rentrer dans le débat parce qu'ils avaient le sentiment d'être un peu stigmatisés. Alors que, lorsqu'on discute un peu avec les gens, on se rend compte qu'une grande majorité des gens, c'était ça un peu la surprise moi, que j'ai eue, quand j'ai constaté la réception de Nostec, c'est qu'une grande majorité des gens en fait sont très sensibles à la question, finalement, non seulement la question sanitaire de ce qu'ils mangent, ça on le savait déjà depuis une vingtaine d'années, mais aujourd'hui de plus en plus sensibles à la question animale, de la souffrance animale, des droits des animaux, etc. Et beaucoup de gens qui ont lu le livre m'ont dit « mais c'est fou, je ne savais pas ». Et je pense que tous ces gens qui aujourd'hui ne savent pas, ne connaissent pas les conditions d'élevage, ne savent pas réellement, aussi pour certains d'entre eux, quel est le degré de conscience, de sensibilité de tel ou tel animal, d'une poule. Si aujourd'hui vous discutez avec des gens et que vous leur racontez ce que c'est vraiment une poule, il y a des gens qui sont étonnés. Si on leur explique qu'en réalité, au départ, la poule qui pond, c'est une espèce sauvage, qui a l'habitude de jouer dans la poussière, de monter dans les arbres, c'est un animal social, etc. Si vous dites ça à des gens, ils sont vachement étonnés, ils ne savent pas. Donc il y a un vrai, et quand ils le savent, d'un coup, ça change vraiment leur regard. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin d'information de la part du public. Et lorsqu'on arrive à apporter cette information, on se rend compte qu'on fait vraiment avancer les choses. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc ne pas dire, soit tu me rejoins dans ma cause, qui peut être, en plus, la cause, c'est pas les mêmes pour chacun. Je suis sûr que si on fait un tour ici, vous êtes beaucoup, vous êtes plusieurs centaines, si on fait un petit sondage, on va voir que vous n'avez pas... vous êtes peut-être tous végans, il y a peut-être, je sais pas, 80% de végans, 20% de végétains, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous n'avez pas complètement la même idéologie, complètement le même rapport aux animaux quand même que votre voisin. Donc pour chacun, c'est différent. Ce qui est important, c'est que les bases du débat soient posées, et aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que ce débat puisse avoir lieu. Ça, c'est super important. Oui, je rajouterais là-dessus, j'ai contribué à une étude qui est encore embryonnaire. On a que fait certains groupes tests pour tester les questionnaires, donc. Et plutôt que demander aux gens, êtes-vous végétarien, végétalien, qui est la question traditionnelle, et après les définitions varient d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre, on a posé, oui, évidemment, cette question-là comme unité de mesure, mais on a demandé aux gens, est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, vous croyez que vous adopterez une diète végétarienne ou végétalienne? Et là, on avait des chiffres étonnants. C'est autour de 30% des gens qui disent que, oui, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, je serai végétalien ou végétarien. Et je pense que la vraie victoire, et les gens qui sont nos amis, à qui on doit montrer de l'ouverture et entretenir le dialogue, c'est ces gens-là qui voient qu'il y a un problème dans notre façon d'élever les animaux, qui voient qu'il y a un problème dans notre façon de consommer les animaux et qui se disent « Oui, peut-être qu'un jour, c'est pour moi. » Et ces gens-là, ben, c'est des, aujourd'hui des végétariens à temps hyper partiel. Ça peut être un repas par semaine, deux repas par semaine, un repas par mois. Mais
ces gens-là qu'on doit, qui on doit montrer d'ouverture et qu'on doit convaincre de modifier lentement leur alimentation. Il y a là aussi une approche sémantique importante qui, à mon avis, nécessite une vraie réflexion. Dans ce que tu dis, ça m'y fait vraiment penser. Des sondages pour demander aux gens s'ils vont devenir végétariens ou vont devenir végétariens. Il y a quelque chose qui peut être vécu de la part de l'omnivore comme une agression. Parce qu'on va lui demander de changer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on demande un changement d'identité quasiment à quelqu'un qui a mangé de la viande pendant 30, 40, 50 ans. On est en train de lui dire, mais tu sais, t'as tort, donc t'es pas bien. Il faut... Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens de cette manière-là. Parce que finalement, la question n'est pas de savoir si on veut transformer la planète somme de végétariens ou de végétariens, la question est de faire avancer les droits des animaux. La question est notre rapport justement à la souffrance, notre rapport au vivant. C'est ça qui est important. Pas de catégoriser les gens, de dire c'est une victoire si on est 80% de vegan. Les chiffres, être vegan, ça c'est pas ça qui est important. Ça c'est une conséquence. Le but à mon avis ne doit pas être celui-là. Le but c'est aujourd'hui quel rapport on a avec les animaux. Est-ce qu'on continue de les consommer ou pas? Pourquoi? Comment? Voilà, c'est ça qui est plus important que de demander à quelqu'un de changer ce qu'il considère être son identité. Et il faut comprendre, quand on n'est pas végétarien ou végétarien, que ça peut être compliqué pour la personne en face. Comme l'heure tourne, est-ce que... Pas tous en même temps, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, alors on m'a relaté qu'en Suède, la plupart des hommes et femmes politiques qui se disent de gauche sont au minimum végétariens. J'ai pas pu le vérifier, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une Suédoise végétarienne qui est venue me le dire. Qu'est-ce que vous pensez de la position des hommes et des femmes politiques sur le sujet, notamment des écologistes, vu les conséquences de l'élevage et de la pêche? Comme j'ai eu l'occasion de leur dire, quand je les croise, parfois, les Verts, ils sont nuls. Non. En France, de toute façon, on a un vrai problème avec l'écologie en France, donc de toute façon, ça c'est... Et évidemment, la question animale est complètement absente de leur discours, on a quand même... Je vous apprends rien, puisque vous êtes tous surinformés ici sur ces questions, mais quand on a des leaders politiques d'un mouvement écologiste qui se déclarent pour la corrida, on peut quand même s'inquiéter sur la force de ce mouvement, en tout cas ce qu'il veut vraiment représenter, donc c'est un scandale. Et évidemment, les Verts ont complètement... Enfin, Europe Écologie des Verts, aujourd'hui, c'est un parti qui a complètement oublié la dimension globale de l'écologie, qui comprend notamment, bien évidemment, toute une réflexion sur les droits des animaux. Alors c'est marrant parce que moi, je suis assez intéressé par l'expérience des Pays-Bas où il y a un parti des droits des animaux, parti des animaux, avec des élus à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr qu'en France ça marcherait pour plein de raisons, parce que nous on a une telle culture de la chasse, de l'agriculture, etc. Le lobby chez nous, il est du côté de la chasse. Donc il y a des raisons culturelles et économiques qui font que c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est aussi la raison pour laquelle d'ailleurs les Verts chez nous ont beaucoup de mal à parler de ces questions animales. Mais oui, c'est un vrai problème chez nous. Merci.